D'abord, on va les rassembler comme ça. Vous voyez à peu près? Bon, je suis obligée de tenir parce que ça s'enroule. Donc, les quatre morceaux là, comme un genre de moulin. Voilà. Et ensuite, on va coudre ensemble ça avec ça, ça avec ça. Et bien là, c'est pareil. Bon, ben, on ne le voit pas très bien parce qu'il faut d'abord les repasser. Maintenant, je dois sortir ma planche à repasser. Oui, messieurs, dames, j'ai une planche à repasser avec moi. Et mon fer à repasser. Oui, j'ai aussi mon fer à repasser avec moi. Et je veux vous montrer comment je fais pour les repasser sans que ça s'aplatisse. Parce que vous savez, certainement, vous avez déjà, pour tous ceux qui ont déjà fait le tricot, crochet ou peu importe, travailler avec la laine, quand vous le repassez, ça s'aplatit complètement. Oui, effectivement, ça s'enroule plus ici, mais c'est complètement plat et ça, il n'y a plus de relief, il n'y a plus rien. Donc, j'ai une astuce pour le faire, pour le bien aplatir sans que c'est complètement écrasé. Allez, je vais chercher mes affaires et je vais vous montrer ça. Bon, voilà, pour repasser tout ça. Mes quatre rectangles là, mes quatre bandes. Voilà. Alors, en fait, c'est ce qui est bien avec ce patron. Vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Moi, je fais avec du crochet tunisien parce que premièrement, j'aime bien et deuxièmement, c'est assez costaud, voilà. Mais vous pouvez aussi bien faire avec du crochet classique, en tricot, en tissu, en tissage. Vous pouvez le faire en n'importe quoi. Ça marche avec n'importe quoi. Voilà. Vous allez voir. À la fin, vous allez comprendre pourquoi. C'est hyper facile. Et vous allez voir, c'est vraiment rapide et ça marche avec tout. Allez, donc, maintenant. En attendant, je veux tout de suite épingler ça, je vais vous montrer ça, mais je peux toujours déjà brancher mon fer à repasser. Voilà, maintenant, tout simplement, voilà, toi, oh. Où est-ce que tu vas, toi? Hop. Maintenant, je vais tout simplement épingler les morceaux sur mon fer à repasser. Pas tirer dessus, juste à plat, voilà. Il faut pas tirer dessus hein, pour ne pas la déformer, mais quand même bien épingler, bien droite. En fait, on a besoin des épingles que en haut et en bas parce que c'est que au départ et à la fin que ça se déforme. Tout le reste, ça va bien. Voilà. Là aussi, l'autre côté. Tout simplement. Mais bien épinglé quand même pour que ça tienne bien. Voilà. Voilà, et je vais faire pareil avec les autres. Bon, je pense que non, je vais faire que deux par deux. Là, c'est pareil. On va le fixer. Voilà. Alors, mon petit fer à repasser, vous allez voir ça. Il est génial. C'est un petit fer à repasser voyage. On peut baisser. Ouais, c'est encore froid. Donc là, vous avez un bouton pour baisser la poignée. Vous voyez? Et ensuite, ça se range comme ça. Et ici, dans la poignée, il y a le réservoir pour l'eau. C'est génial ce truc. Voilà. Hop. Et vous débloquez. Et c'est bloqué. Ensuite, vous avez même le choix. Si vous allez en Angleterre,
entre l'Europe et certains pays, ils ont encore 110 ou 115, voilà, vous avez même le choix ici. Et vous avez le choix entre pas de vapeur et avec vapeur. Et ensuite, il fait 1000 watts, donc il faut quand même mieux être branché sur le secteur. Et ensuite, vous réglez ici. Là, je règle au max, hop là. Je règle au max parce que j'ai besoin de la vapeur. Voilà. Hop. Et puis, il y a le petit machin là pour petit truc mini gobelet pour remplir le réservoir. Et comme sur ma planche à repasser, j'ai pas de support pour le faire. J'ai mis à côté mon petit support, mon dessous de plat. Bon, et maintenant, ça y est, il est chaud. Maintenant, vous repassez, mais vous repassez pas complètement. C'est-à-dire, vous ne touchez pas, c'est ce que vous avez fait. Vous ne touchez pas vos ouvrages là. C'est juste avec la vapeur. Voyez, c'est juste, vous laissez juste bien vaporiser, enfin avec la vapeur. Ne pas toucher. Voilà, juste comme ça. Bien imbibé, bien comme il faut. Surtout pas toucher, surtout pas ça, parce que j'ai mis au maximum la température au maximum. Et c'est la laine en partie synthétique. Alors, si vraiment je touche avec mon fer, je vais tout me cramer, me brûler. Voilà, vous passez juste à environ 1 cm. Bien, surtout là aussi. Et l'autre pareil. Voilà. Et ensuite, vous laissez sécher comme ça, attaché, avant d'enlever les épingles. Et vous allez voir, c'est nickel. En tout cas, j'espère. Juste avec la vapeur. Et il y a des fers, je sais que l'ancien fer que j'avais à la maison, qu'ils ont un bouton spécial qui font sortir la vapeur ici devant là. Ben, si vous avez ça, mais c'est encore mieux. Juste passer dessus comme ça, surtout au départ et à la fin, parce qu'au milieu ça va. Voilà, doucement. Voilà, et on fait un petit coup ici, on refait un petit coup ici. Et ensuite, ben, vous laissez sécher comme ça. Et bon, le temps que ça prend, mais ça dépend de votre laine, ça dépend de l'épaisseur, ça dépend le... Est-ce que c'est de la laine? Est-ce que c'est autre chose? Voilà. Eh bien, en attendant, vous faites autre chose. Voilà. Ah, fini. Réservoir est vide. Hop. Ouais, quand on touche, c'est un tout petit peu humide. Voilà, je vais arrêter. Pas besoin de consommer. Voilà, et bien, on verra le résultat tout à l'heure. Voilà, c'est sec, donc j'enlève les épingles. C'est toujours un tout petit peu, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Parce que c'est vrai, ce crochet tunisien, ça s'enroule, c'est vraiment extrême comment ça s'enroule là. Voilà, vous voyez, c'est pratiquement plat, il y a un tout petit peu encore là, mais bon, c'est pas méchant.
Et on voit quand même encore bien les mailles, c'est pas écrasé, c'est pas complètement aplati. Voilà le résultat. Bon, c'est pas complètement sec sec, donc je vais poser à côté sur mon lit. Ça sèche complètement. Voilà. Voilà, vous voyez, là c'est pareil. Hein, vous voyez quand même, on voit quand même la différence entre ça et ça. Vous voyez? Mais sinon, c'est pareil, c'est pas du tout aplati, c'est bien comme il faut. Et voilà, donc maintenant, ça retourne, ça va sur mon lit pour terminer sécher. Et on va attaquer l'autre. Sécher un peu, on va laisser reposer un peu et les quatre bandes sont terminées. On se verra tout à l'heure pour la suite. D'accord? Allez, à tout de suite. Si vous vous posez des questions sur ma petite planche à repasser, elle est super pratique, elle est toute petite. Voilà, on plie ensuite, hop, on range, hop là. Voilà, j'ai juste mis ça, une petite pince pour le garder ensemble. Ce que j'ai fait par contre, j'ai changé la housse parce que la housse ne me plaisait pas du tout. J'ai changé la housse et par la même occasion, j'ai rajouté un peu plus de mousse parce que, à mon goût, c'était pas assez épais là, la mousse n'était pas assez épaisse donc on sentait un peu le grillage. Mais bon, rien de bien grave, rien de bien méchant. Mais puisque j'ai changé la housse, tout simplement parce qu'elle ne me plaisait pas, hein, le tissu ne me plaisait pas. Puisque j'ai changé la housse, j'ai rajouté une deuxième couche de mousse fine. Mais c'est super pratique, ça prend pas beaucoup de place et ça peut ranger dans un camping-car. Allez. Non, tu dis pas au revoir. Je dis pas au revoir. Pourquoi Non, je dis pas au parce revoir? que je kidnappe la caméra. Tu quittes la caméra, tu vas Voilà. faire quoi Et alors? je vais faire voir à mes chéris quelque chose. Ben, va voir à tes chéris quelque chose. Avant que tu te dises bye Eh bye. ben, vas-y. Voilà, j'ai kidnappé la caméra pour te rappeler mon pull, soi-disant pull, fait avec plein de rectangles. Ça serait le devant. Ça serait le dos. Voilà. Et oui, ça rappelle bien. Le Père Noël est une ordure. Non, mais alors totalement d'accord avec les commentaires. Qu'on ne me demande pas de faire un caleçon, qu'on me demande de rien du tout. Parce que là, c'est fini. Il était en sursis, cette espèce de pull, je sais pas quoi. Et en fait, je vais tout redéfaire. Oui, voilà. Ah mais je l'ai dit au tout début, c'est mon jardin, tu sais où il y a le râteau avec le sable comme ça. Voilà. Cette laine-là, c'est exactement ça. C'est mon jardin japonais de sable. Ça me permet la zen, attitude, la cool, état d'esprit, etc. Donc je vais tout redéfaire et puis il me manque quand même un sac. Donc je vais prendre le modèle sur celui que Chrissa vient de faire en bleu et blanc. Moi, je vais le faire en gris et blanc. Je ne
Parce que c'est vrai que depuis qu'elle m'a appris le crochet, j'aime beaucoup faire le crochet. Tricot, je trouve ça un peu. Je sais pas pourquoi, mais ça me plaît moins. Donc je vais plutôt tenter, mais je vais rester dans les rectangles, puisque c'est avec plein plein de rectangles que je vais normalement réussir à faire un sac. Donc la suite au prochain épisode. Adieu le faux pull du Père Noël est une ordure. Adieu quels sont. Adieu. Parce que c'est vrai que dans ce pull-là, on peut en mettre deux comme moi. Donc ça veut dire que non, non, ça va pas aller du tout, du tout. Moi, je vous dis ciao les chéris. Bye bye le faux pull.